Salut à tous. Alors, pourquoi j'ai pas parlé? Parce qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux. Et que voilà, j'ai traité le nid. Voilà. Nid de frelons asiatiques, donc je voulais vraiment. Et je voulais pas qu'ils sortent pour en mettre partout par terre. Donc on a un petit ballon. Un ballon de foot. Donc j'en ai mis pour éviter qu'ils sortent. On peut voir les différents structures quand ils vont chercher le panin. Quand même c'est beau. Et ils arrivent à partir. Ce qui était un peu mou quand même. Hop, on met le doigt. Le nid est assez mou. Hein. Il a dû bien prendre l'humidité en fait. Vous voyez, le nid est vraiment. Quand je fais ça, le nid il est tout mou, regardez. Ouais, ça, c'est pas dans leur habitude. Hein. Regardez. Ça y est, ça sort. De toute façon, hein, le monsieur il le sait. On va vraiment enlever ce qui tombe par terre. On va pouvoir aller les voir. De frelons asiatiques. Très belle structure, vous avez vu l'accroche, donc ça sera vraiment à désinfecter. Hein. Bon, pour la saison, je sais pas si c'est bon. Voilà, commence à sortir un peu. Donc là, ils se sont vraiment tous contaminés. C'est beau. Voilà. C'est beaucoup de petits individus. Donc, de toute façon, ça sera nettoyé par terre. Voilà. Là, je sais qu'ils sont tous contaminés. Et après, je vais enlever le. Je vais enlever le mouchoir. Je vais enlever le mouchoir pour que les individus qui sont déjà sortis, parce que le matin là il commence à faire froid. Les individus qui sont sortis, bah, qu'ils puissent revenir, se poser sur le nid, rentrer dans le nid et se contaminer. Donc là, hop, crac, curly. On voit bien, c'est ouf, c'est là. C'est-à-dire que s'il tombe. Voilà. Donc tête orange, patte jaune, frelon asiatique. Allez, je l'écrase, bien comme il faut. Voilà. Donc là j'entends quasiment plus de bruit. Je vais le rouvrir gentiment, mais ça va sortir. Parce qu'ils essayent absolument de sortir. Voilà, nid traité. Sur ce, terminé.